Good morning, allez Yiden, nous étudions aujourd'hui Masechet Megillah, Perek Gimel, Mishnah Bet, En Mochrin Bet Knesset, Ela Al Tnai Shem Yirtzu Yachziru Hu. Divrei Rabbi Meir, Vachachamim Omrim, Mochrin Oto Mimkar Olam, Chutz Me'arba'a Dvarim, La Mercha, Tzela Boskiv, La Tvila, Ul Bet Hamayim, Rabbi Yehuda Omer, Mochrin Oto Lashem Chatzer, Ve Alokeach Ma Sheyirtze Ya'ase. Dans la Mishnah précédente, on a commencé à étudier la halakhot de lorsque l'on décide de vendre une synagogue, un Sefer Torah ou des Sfarim. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les vendeurs, avec l'argent qu'on va recevoir, qu'on doit les préserver cet argent avec un niveau de Gdusha, de manière à ce qu'on va racheter la même chose, ou mieux, mais sûrement pas moins, parce que Ma'alin Bakodesh et Ben Moridin, selon la règle, on augmente en Gdusha, mais on baisse jamais de Gdusha. Maintenant, bon, ça c'est pour côté vendeur, mais côté acheteur, une fois qu'il achète la chose, qu'est-ce qu'il peut en faire? C'est le sujet de notre Mishnah. D'accord? Il y a plusieurs petits détails. Je parle grosso modo parce que d'abord c'est plus important de comprendre le principe général de la Mishnah. Et après, si vous voulez approfondir plus le sujet, ça se trouve dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Nun Gimel. Et c'est très riche et intéressant parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui les Gabbaïts d'Aka, ils sont bien au courant de toute la Lachot. C'est des Lachot assez complexes. Il y a plein de détails, même d'ailleurs en Chutz Laaretz, c'est différent des Eretz Israël. Est-ce qu'il y a une Gdusha dans la synagogue ou pas de Gdusha dans la synagogue? Est-ce qu'on peut supprimer la Gdusha lorsqu'on vend? Mais pour notre propos, et allez, j'ai entendu parler là, à Wissembourg, un petit bourg d'Alsace, la grand-mère de ma femme était là-bas, quoi. La synagogue, c'est devenu un lieu de la mairie où ils se sont mis à stocker tous les souvenirs des Juifs. C'est un village qui était anciennement juif, qui s'est perdu complètement. Il restait 8 pèlerins, quand on est décédé, il ne restait plus que 7. Et voilà quoi, vous imaginez qu'est-ce qu'on fait avec une synagogue pareille. Alors il y a des halakhot spéciales aussi, même pour la Gdusha des synagogues de Chutz Laaretz. Et bon, pour notre propos en tout cas, donc on s'intéresse à savoir. Donc côté vendeur, il vend la chose, côté acheteur, qu'est-ce qu'il en fait? Il y a plusieurs restrictions en fait sur la vente. D'abord on va aller tous les découvrir, après on apportera quelques petites précisions quand même. En mochrin bet knesset, ela al tnai shemirtu yachziru. On ne peut vendre une bet knesset que si on met la condition, que si on veut, on la récupère. Divrei Rabbi Meir, tel est l'avis de Rabbi Meir. C'est-à-dire, selon Rabbi Meir, il faut que le vendeur, c'est pas en rapport avec l'acheteur, non, c'est même aussi en rapport avec l'acheteur, concrètement l'acheteur il pourra même habiter dans la maison si on lui vend, comme ça il précise, c'est peut-être un peu discuté, mais en tout cas comme ça, on déduit de la Gemara, on évoquera plus le principe, et l'acheteur il pourra habiter dedans, mais il faut que côté vendeur, qui montre qu'il ne veut pas se séparer franchement de la synagogue, pas genre, allez, adieu synagogue, va devenir maintenant une maison pour que Gustave il va habiter dedans, pas du tout. Tu dois poser comme condition que on le fait Betsar Gadol, on le fait avec respect pour la Beta Knesset, en précisant que si toutefois on en a besoin, on pose la condition qu'on sera en droit de revenir la racheter. D'accord? Et là, le Tnaï, que si on pose la condition, j'ai Mirsu Yarziru, que si on veut, eh bien on reviendra la reprendre. Divrei Rabbi Meir, c'est l'avis de Rabbi Meir. Une précision importante en rapport avec les lois de Ribit, que je vous expliquerai après, l'Agma en parle ici. Mais pour le moment, on continue à avancer. Chachamim disent, Mochrin oto mimkar olam. Chachamim disent, non, écoute, tu vends même sans condition, tu peux la vendre même mimkar olam pour toujours. Mais tu précises que chutz ma'arba dvarim, mais tu exclus qu'il n'aura pas le droit, l'acheteur, de faire quatre choses dedans, qui sont la merchatz, un bain public, burski. Burski, c'est le. Comment ça s'appelle? Burski, c'est le tanneur. Oui, ceux qui travaillent les peaux pour le cuir, c'est un endroit qui sent mauvais, on en parle beaucoup dans la Gemara, je ne sais pas si encore on est en contact avec tous ces travaux artisanaux à notre époque, mais à l'époque, c'était des gens qui ne pouvaient même pas monter, faire la lia à la régale en même temps que les autres, tellement que les pauvres, ils sentaient très fort. Burski, la Tvila, un lieu de purification, apparemment, c'est pas tellement précisé, mais comme ça, il faut traduire. La Tvila, un lieu où on va construire maintenant un mikvé à ce endroit-là. Eh bien non, c'est un des autres, je me dirais, Gdusha, pas du tout. Il y a une bête à Knesset, et puis à présent ça va être un lieu où maintenant les gens vont se déshabiller, c'est pas bon. Ou le bête à Maïm, et bête à Maïm c'est un endroit où on va uriner. D'accord? Ou bien deux discussions en fait, deux interprétations, et par deux portes. Soit à l'église, un lieu où on va laver le linge, et ou bien soit, hein, justement comme on a dit, un endroit où on va uriner. D'accord? Un toilette publique. Mais sinon tout le reste on a le droit de vendre, même s'il va habiter dedans, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'avis de Chachamim qui est retenu pour l'Alacha. Avec une précision comme que je dis tout de suite, c'est comme ce qu'on avait expliqué dans la Mishnah. En fait, toute vente qu'on va faire à l'idée, tout ve'ahir be'ma'amad anshe'ahir,
Toute vente qu'on va faire avec les 7 responsables sur le public, ouais, Parnassaïr ça s'appelle, ceux qui sont les Parnassim du public, qui s'occupent, qui sont investis pour gérer tous les biens de la Keïla, on avait 7, plus les habitants de la ville, à partir du moment où eux ils vendent, avec une vente totale, avec en accord total avec la ville qui est présente et les Shivatouaïr, on fait ce qu'on veut, de tous les côtés. Avec l'argent, on achète ce qu'on veut, avec la synagogue, on peut en faire ce qu'on veut aussi, même si c'est pour fonctionner en main publique. Toute notre mission, elle parle que c'est que lorsqu'il n'y a pas justement les Shivat Uveahir, et que là, alors c'est les habitants de la ville, ou bien c'est les Shivat Uveahir sans les habitants de la ville, un sans l'autre, qui va décider de vendre. Alors là, dans ce cas-là, il a ses contraintes qu'on est en train d'apprendre, d'accord? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda précise, Mochrin oto leshem chatser, valokeach ma sheyirtze yaase. Selon Rabbi Yehuda, il dit non. Tu précises que tu la vends juste pour Khatser, pour un... Je sais pas exactement ce que ça implique, c'est un lieu de stockage, mais pas plus. Toi, dans ta vente, tu dis, moi je te la vends, mais juste pour que... C'est un endroit, ça va devenir un endroit où tu vas déposer des choses. Ou... Et après, une fois que tu l'as vendu, ou peut-être c'est pour même habiter dedans, je sais pas exactement ce que ça implique, le mot Khatser précisément, c'est pas précisé. Et Mochrin oto leshem Khatser, tu le vends en guise de Khatser uniquement, dans un lieu d'habitation. Mais une fois que tu l'as vendu, à l'okach, machin, c'est... Le locar, tout ce que tu fais en réalité, depuis le moment où on va la vendre et on va récupérer la contrepartie de l'argent, il n'y a plus d'ogdoucha dans l'endroit. Il faut bien le réaliser. Seulement quoi, par rapport à la méprise de l'ogdoucha qu'il y avait, alors on te demande de montrer un attachement. La Nakama, il te dit, tu sais quoi, pose comme fonction que tu vas le récupérer si tu veux. L'autre, il te dit, non, tu peux le vendre, mais tu le vends, mais pas pour certaines choses. Rabbi Yehuda, il te dit, non, tu le vends que en guise de chasser, apparemment peut-être pour habiter dedans. Ou... Mais une fois que tu l'as vendu, ne va pas maintenant lui coller des flics qui vont vérifier est-ce qu'il dit on tient c'est assez close, parce que c'est que pour le kavod que tu poses cette condition. Mais une fois que tu l'as vendu, Mashir Tseyase, il pourra en faire ce qu'il veut. Je vous avais dit que j'avais une petite précision à vous apporter par rapport à Tanakama, en rapport avec le roi de Ribbit. C'est extraordinaire. L'agma est une sugia de Ribbit en fait. Quand on étudie Ribbit dans Perek et Zonecher, il faut aussi venir étudier Megillah d'Afut Retamut Bet. Il y a là-bas une sugia super importante. L'agma qui précise. Qui soulève une question pertinente du Ribbit, qui nous concerne nous tous. Ça n'existe pas que je vends ma maison, 100 000 dollars à Réhouven, et je lui dis, habite dedans tant que tu veux. Mais le jour où je veux, tu me la revends au prix que j'ai payé, 100 000 dollars. Imaginez que je pose une condition pareille. Il faut savoir qu'il y a peut-être un Ribbit, peut-être des Horaïta, ou même, au moins des Rabbanan dans cette histoire, parce qu'on va regarder ce qui va se passer. Il m'a vendu la maison pour 100 000 dollars. Je lui ai vendu la maison pour 100 000 dollars, donc il m'a donné 100 000 dollars. J'ai posé comme condition que si j'ai besoin, je viens, j'annule la vente. Si j'annule la vente, il s'avère que l'argent qu'il m'a donné, c'était plus un argent d'acquisition. C'était en fait, c'est devenu un argent qu'une dette. Il s'avère qu'il m'a prêté 100 000 dollars, et qu'après je lui rends 100 000 dollars. Or, il habitait dedans gratuitement pendant 3 ans. 3 ans, chaque mois, c'était 1 000 euros, dollars, je ne sais plus où j'en suis, mais 1 000 euros, donc il a fait 36 000 euros de bénéfices, il a fait. D'accord? Donc là, il y a un problème. Ouais, vous avez compris? Si je vends ma maison avec condition, que si je veux, je me laisse 3 ans que je la rachète. Il s'avère que maintenant, l'autre, il va habiter gratuitement parce qu'il m'a passé de l'argent. Parce que dès que je vais annuler la vente, elle va s'annuler. Donc l'argent, je vais le lui rendre. L'argent, il va savoir que c'était une dette, que je lui rends l'argent. Pendant ce temps, il habitait gratuitement dans la maison. Il a transgressé, il y a un interdit de ribbit. L'agma, elle pose la question et elle propose plusieurs réponses. Soit ça déchade Beribit, on ne va pas entrer dedans parce que c'est trop compliqué, mais au moins une réponse facile que l'agma dit, effectivement, il faudra aussi qu'on pose la condition que lorsqu'après, il va habiter après 3 ans, si toutefois je veux la racheter, il faudra que je déduise malgré tout un prix pour la sri-out, pour la location, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, kol tov, v'salam.